Vous la recevez souvent chez vous, vous leur rendez souvent service. Ils ou elles trouvent que vous avez toujours tout pour vous. Ils, ils souvent, c'est rare, mais elles, souvent, vont venir vous demander des services à la dernière minute, bien entendu, et alors qu'elles ont leur conjoint, leur mari ou leur fiancé juste à côté d'elles. Souvent, c'est des femmes cette fois-ci, elles vont vous demander de les aider à rendre leur mari jaloux. Ou vous raconte souvent qu'elles souffrent, qu'elles sont trompées, mais année après année, elles sont toujours bien calées chez elles. Bienvenue aujourd'hui à tout le monde sur euh, au de ce sujet qui va parler des amis par ennui. En fait, ce sont des personnes qui sont, qui s'intitgent de vous, mais pas pour les bonnes raisons. Alors, bienvenue à tout le monde pour la deuxième partie de la série de podcasts sur l'amitié. Euh, mon nom, c'est Nuiumba. Et merci à tous. Vous êtes bien connectés à l'émission numéro 11. On commence dans quelques secondes. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que tout le monde se porte très bien, que vous nous sommes tous en santé. Euh, je salue tout le monde. Sachez mes instincts intimes que euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes euh, viennent vous parler quand vous êtes célibataire, c'est sûr. Mais simplement parce qu'ils s'ennuient. Je ne veux pas être méchante, mais c'est la vérité. Quand on s'en rend compte, c'est souvent après qu'on a vraiment mal au cœur. Mais ce pas juste le fait qu'il s'ennuie qui, qui fait mal, mais c'est tout le détail qui est autour. Mais il y a des solutions. La solution, ce n'est pas de ne pas avoir d'amis, pas du tout. On a besoin d'être entouré, on a besoin de chaleur humaine, on a besoin de discuter, on a besoin de s'entraider, mais il faut le faire d'une manière, il faut être une personne avertie. Comme je ne cesserai jamais de le répéter, on est peut-être célibataire, mais il, il ne faut plus être naïf. Il faut être vraiment une personne présente d'esprit et essayer en tout cas du mieux possible de gérer ses affaires. Donc beaucoup viendront vous parler, euh, des fois vous regarder ou discuter avec vous mais simplement parce qu'ils s'ennuient ou des fois ça leur permet d'apprécier mieux ce qu'ils avaient ou ce qu'ils ont en fait. Je ne suis pas contre cela. C'est bien d'apprécier toujours même si vous en tant que célibataire ou une personne mariée ou une personne veuve, n'importe quoi, vous devez apprécier votre vie telle qu'elle est d'abord. C'est pas facile, mais il faut déjà s'accepter. Il faut se respecter et il faut être fier de ce qu'on est. Si on n'est pas fier de ce qu'on est, on essaie de corriger ce qui ne va pas. Mais là, ce n'est pas, pas le cas de tout le monde, mais souvent, c'est ce qui se passe. Sinon, croyez-moi, la plupart des personnes qui viennent avec, rester avec vous, parce qu'ils s'ennuient, franchement, ils ne resteraient pas avec vous parce que, euh, Lorsque, déjà, même s'approcher d'une personne célibataire, c'est comme si vous portez la poisse à la personne. La personne ne s'intéresse pas. La personne ne veut même pas que vous approchiez de lui ou de, de sa femme ou de sa famille et vice-versa. Donc, on ne veut pas du tout que vous soyez dans, dans la vie. Elle ne, ces personnes-là ne voudront jamais que vous soyez dans leur vie parce qu'ils ne voudraient vraiment pas que vous leur... Que vous les contaminez avec votre situation et dans les cas des femmes même elles vont pas vouloir que vous que vous que vous intéressez leur mari par exemple donc souvent la proportion de personnes qui s'approchent de vous soit c'est pas c'est par amitié véritable ou souvent c'est pas ennui ou un autre intérêt que vous n'avez pas encore déterminé donc euh, bref euh, vous savez vous êtes en fait une personne bizarre et intéressante à la fois du coup et ça, c'est surtout dans le cas des personnes qui ont des talents ou quelque chose, un intérêt, euh, un, quelque chose qui suscite l'intérêt des autres. Donc, euh, ils viennent chercher quelque chose, ils viennent s'approprier, ils viennent s'abreuver euh, à votre source d'eau et ça leur permet de, de, de se réaliser ou bien d'avancer d'une autre façon. Et le pire, c'est qu'après, ben, ils vont vous lâcher tout simplement et de la plus vilaine des manières. Donc euh, au départ de l'émission, j'ai commencé en disant que vous les recevez souvent chez vous. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui se reconnaissent. Souvent vous invitez, vous recevez tout le temps, vous préparez à manger pour tout le monde, vous vous invitez, les gens dorment chez vous parce que vous, vous dites même aux gens sans gêne. Ah non, tu sais moi je suis seul, euh, tu peux venir dormir, viens chez moi, il y a la place, viens chez moi, il y a si, viens je t'invite, ah oh, viens, je veux pas rester seul. Mais en fait en faisant ça vous vous attirez des personnes qui sont là pour certains intérêts et surtout des personnes qui seulement seront là par ennui. Et on se rend compte de ce genre de cette situation seulement lorsque vraiment on se retrouve dans un certain besoin. Et c'est là en fait que ce n'est plus drôle à vivre. Vous leur rendez souvent service. Et ça, ça revient avec euh, le fait que il ou elles vont vous demander toujours des choses à la dernière minute. Ou euh, même si elles ont leur mari à côté ou leur fiancé, elles vont vous demander des services. Et vous, simplement parce que vous leur rendez service, parce que vous dites, ah, peut-être qu'elle est, est en froid avec son gars, elle est en froid avec son mari, je vais l'aider, je vais lui rendre service. Donc, aussitôt, même des fois, vous voulez vous coucher. Parce que moi, par exemple, ça m'est arrivé, Je voulais me coucher à 23h30. Je vous dis, je m'étais déjà préparée pour me coucher. Je me J'étais en, en pyjama. J'allais vraiment poser la tête sur l'oreille quand mon téléphone a sonné. Et elle m'a dit, écoute, j'ai vraiment besoin de toi. Ma voiture a une panne. Elle habite à son mari. Mais je me suis levée immédiatement pour me rendre chez elle, pour aller attendre une compagnie de transport qui viendra chercher sa voiture. Et c'est avec ma carte qu'elle a fait tout ça. Et je l'ai fait. Mais le pire, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui viennent encore plus tard vous dire des histoires comme quoi vous êtes trop susceptible parce que vous n'êtes pas marié, vous, vous, vous êtes agité. Ils et, et vont vous dire des choses. Mais ça, c'est simplement parce que vous avez laissé faire aussi pas mal d'autres choses à côté. Donc, c'est des comportements à réviser, des comportements à éviter. Quand vous savez qu'une personne n'est pas seule et qu'elle est en couple, moi, j'ai fait l'erreur hein, plusieurs fois. Et si j'en passe, c'est parce que j'ai compris. Au bout d'un certain nombre, comprenez, on tire des conclusions. Donc, euh, le partage aujourd'hui, c'est vraiment de vous éviter de vous, de vous tirer en fait des balles dans les pieds et de toujours conserver vos amis. Vos amis sont des amis, mais si vous ne vous respectez pas, que vous ne, restez, vous ne respectez pas certaines barrières, vous ne mettez pas certaines, certains principes en place, mais ils vont vous piétiner parce que vous n'aurez pas laissé. C'est-à-dire, vous êtes comme un champ ouvert, on peut rentrer et faire ce qu'on veut. Il ne faut pas le permettre. Donc, ces personnes-là vont vous demander des services à la dernière minute ou euh, vous demandez même il y a, il y a des choses encore, pas, mais je vais finir avec ce sujet, c'est-à-dire quand vous vous demandez des choses à la dernière minute, qu'est-ce que vous transmettez comme information? C'est que ben, vous, vous n'avez rien à faire, vous vous ennuyez. Vous ne servez quasiment à rien, donc euh, vous demandez de faire de petits travaux là, c'est rien du tout. Au moins ça vous active en fait. Euh, que vous n'avez rien, vous n'avez pas de programme dans votre vie quoi. Vous êtes juste là pour le servir. Eux, à un moment donné, ils assimilent ça comme ça. Mais quand on vous appelle une minute et vous réfléchissez, prenez toujours le temps de dire ah ok donne-moi une seconde, je vais te rappeler. Moi aussi j'ai appris à le faire. Hein. Tout ce que je dis là, j'ai appris à le faire. Ça a pris du temps. Donc vous allez dire à la personne, donne-moi une minute, je vais te rappeler. Et vous rappelez la personne. Soit pour lui dire que, oh, désolé, mais je ne pourrais pas arriver parce que là, j'avais prévu quelque chose. Ou carrément, si vous voulez vous coucher et elle a appelé comme ma copine a appelé, simplement lui dire, oh, je suis couché, je ne pourrais pas trop parler, j'ai mal à la tête. C'est de petits codes pour éviter de vous faire mal plus tard. Une personne peut être en détresse, il n'y a pas de problème, mais quand une personne n'est pas en détresse et se trouve accompagnée, il y a des choses que vous allez éviter de faire parce que ce n'est pas une personne seule. Si c'était une personne seule, oui, vous allez lui rendre service ou bien au moins vous assurer que la personne est en santé. Bon, maintenant, quand on quitte ce registre-là et qu'on vous demande chaque fois des choses, dernière minute, une fois ça peut passer, mais ne permettez pas trois, quatre, cinq, six, sept fois. Comprenez, mettez des barrières ou mettez des intervalles au pied des cas parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de cœur c'est pas facile donc mettez des intervalles c'est <coughs> simplement pour que vous vous respectez pour instaurer le respect en fait c'est pas vous respecter vraiment c'est sûr que mais vous vous imposez un certain respect de votre vie privée aussi de votre bien-être de votre, de votre euh, des périmètres de vous mettez des périmètres de sécurité autour de vous pour que les gens vous respectent alors Lorsque vous êtes avec une personne et souvent vous discutez, ça revient chaque fois que les personnes vous disent oh vous avez tu as tout pour toi, ta maison est bien fournie, tu as tout ce qu'il te faut, qui va même vouloir être avec toi alors que tu as tout ce que tu veux ah oh, c'est vrai c'est vrai comme tu n'as pas d'enfants là ah oh, oui comme tu es seul bon on va faire comme ça comme tu es seul ou bien, euh, comme tu es seul aussi, je suis venu chez toi plus tard, je t'ai pas averti, mais comme tu es seul, tu n'as personne, donc je peux venir comme je veux. Ne permettez pas qu'on vous parle comme ça. Ou bien, comme tu es seul, tu, comme tu n'as pas d'enfant encore, ne permettez pas qu'on vous parle comme ça. Vous comprenez? Quand quelqu'un vous parle comme ça, vous remettez la personne à sa place en lui disant clairement que oui, je suis seul, mais j'ai des choses à faire. Oui, j'ai pas d'enfants, mais je suis très consciente je, et j'ai d'autres choses à faire, même si j'ai pas d'enfants. Et même si tu penses que j'ai pas d'enfants, je me prépare à en avoir. Donc, et ou carrément si la personne vous a peut-être choqué, vous dites à la personne non, tu me parles pas comme ça. Là, la personne ne viendra plus vous dire ce genre de paroles. Et ce sont des paroles, vous savez, hein, que de femmes. C'est des fois gros comme cailloux. Et c'est Dieu, c'est lui même. Donc, vous ne laissez pas quelqu'un venir vous dire des paroles qui vont vous, vous alourdir l'esprit après. Parce qu'eux, ils viennent vous donner, ils vous envoient ces vibrations-là, vous les recevez et ça reste avec vous. Mais il y a des gens qui sont sensibles comme moi. Hein. C'est-à-dire, comme ma maman me disait souvent, est-ce que quand on t'a insulté, là, ça t'a touché? Je disais oui, mais c'est ça, il y a des personnes comme ça. Donc, euh, la parole compte aussi. Donc, ne laissez pas les gens vous dire des choses qui vont vous influencer et faire que vous allez vous sentir mal dans votre peau et vous n'allez plus vous sentir à votre aise, quoi. Et ça, il faut vraiment éviter parce que ça, il, faut, il faut tenir compte de votre sensibilité. C'est très important. Tenez compte de votre sensibilité il y a des personnes qui vont souvent vous voir surtout nous les femmes elles vont venir vous parler. « oh tu sais je fais telle chose en famille oh tu sais je fais telle chose en famille oh, demain je vais en famille ah oh, non tu peux je ne peux pas t'inviter parce que il y a des gens qui le disent hein. je ne peux pas t'inviter parce que j'ai une activité à faire en famille mais tu écoute vous leur vous leur dites directement que je... tu comprends tant si as des choses à faire en famille Tu as des activités en famille tu dois visiter ton père tu dois visiter ta mère donc quand quelqu'un vous fait ça une deux fois deux fois aussi on comprend à demi-mot. Hein. Évitez la personne simplement. Restez dans votre coin. Faites vos affaires. Allez visiter d'autres personnes ou restez à la maison. Développez vos affaires. Vous savez, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être occupées. Quand vous êtes occupé, vous n'avez plus le temps de se discuter de ces blablas. Vous avez vraiment des personnes importantes qui sont là potentiellement, euh, qui ont un pouvoir potentiel dans vos, dans, sur vos activités, sur la bonne marge de vos activités, je veux dire. Donc, construisez vos amitiés autour de vos intérêts professionnels, autour de vos intérêts euh, commerciaux. Vraiment, orientez vos amitiés, orientez beaucoup. On ne dit pas de l'orienter pour gagner juste de l'argent, mais orienter vers des choses qui vous permettent de vous sentir bien. Ayez des discussions qui ne vont pas vous... Euh, affaiblis pour rien donc euh, rarement c'est sûr les hommes font ça rarement mais des fois peut vous demander je, ça peut arriver mais souvent les femmes vont essayer de vous demander de rendre jaloux leur mari ne faites jamais ça ça c'est un piège vous faites ça vous tombez dedans vous devenez l'ennemi non seulement de la femme mais du monsieur aussi jamais même quand vous, vous êtes chez elle et elle vous dit, oh, s'il te plaît, c'est à manger à mon mari, dites non. Moi, j'ai dit ça à une fille un jour, directement. J'ai dit, non, je sais pas ton mari. Elle me dit, mais pourquoi c'est rien, tu peux le servir? J'ai dit, non, je ne sais pas ton mari parce que moi-même là, mon propre mari, je vais pas te laisser le servir. Donc, ne, je ne le sais pas ton mari toi va servir ton mari ou une autre personne va servir ton mari. Parce que c'est comme ça, ça commence, vous voyez. Elles vont vous poser ce genre de piège un peu, un peu. Et Il y a des femmes qui sont culottées, qui veulent voir, mais vous n'avez pas le temps pour voir vous. Donc, évitez ce genre de comportement-là. Évitez ça. C'est non. Soyez très clair, soyez ferme là-dessus pour que les gens vous respectent. Il y a pas question, il n'est pas question de rendre jaloux qui que ce soit. Et même quand elle vient elle vous dire, oh il m'a trompé, oh il m'a frappé, oh il m'a fait ci, ne tombez pas dans le piège et vous commencez par loigner le mari. Restez à distance, c'est pas vos affaires. Ne vous en mêlez pas. Ne venez pas en tant que bat woman là pour dire que oui vous allez la sauver. Non, vous n'êtes pas la sauveuse. Parce que si elle en avait marre et que ça ne marche vraiment pas chez elle, mais elle serait pas là. Donc, si elle est là, c'est qu'elle a un intérêt. Mais non, il y a d'autres cas, hein. je m'excuse, mesdames. Il y a des cas vraiment particuliers où vraiment la dame, elle souffre. Mais c'est du cas par cas. Et à un moment donné, moi, je dis toujours quand tu as déjà fait un enfant, deux enfants, trois enfants, vrai, vrai, on ne se lève pas comme ça pour partir. On ne se lève pas. À un moment donné, là, il faut l'assumer. Vous trouver d'autres solutions. J'ai même posté sur la page Facebook. D'ailleurs, je profite pour vous inviter tous à liker, partager et suivre encore mes podcasts en ligne dans, sur le site BuzzPro. Et j'ai même publié si vous êtes agressé régulièrement par votre conjoint, votre partenaire, vous pouvez mettre du piment dans l'eau, le faire infuser et puis pulvériser dans ses yeux à un moment donné. Ça va se faire en tous. Il ne va pas aller se plaindre quelque part et puis vous, vous achetez la paix. Que de vous faire frapper, vous faites battre pour rien du tout tout le temps à la maison. Donc il euh, y a des solutions, mais ce n'est pas en, dit, en disant à vos amis de venir vous aider alors que en réalité vous n'avez même pas peut-être besoin de leur aide que vous, vous avez une solution. Et les amis, une, elles sont pas là pour, euh, elles sont pas, elles sont pas là en fait pour, elles sont pas là pour tout le temps vous sauver. Elles aussi elles ont des vies. Donc avis à toutes ces femmes là qui exploitent d'autres femmes pour euh, avoir des pour gérer leurs intérêts ou parce qu'elles s'ennuient vraiment respectons nous si les gens venaient vous voir tout simplement parce qu'ils s'ennuient vous n'allez pas beaucoup apprécier aussi parce qu'après, l'ennui quand on n'ennuie pas vous lâchez vos amis non donc euh, il faut respecter les gens si vous n'aimez pas la personne en particulier ne vous accrochez pas à elle si vous êtes juste là pour la voir, comment elle se débat dans son célibat, ce n'est pas la chose à faire. Parce que vous êtes une femme, vous avez peut-être des enfants, vous avez des filles, vous avez des nièces, des cousines, des tantes. Mais écoutez, le célibat, ce n'est pas héréditaire. Hein. Ça arrive juste comme ça. Et quel que soit. Que si ça ne vous arrive pas à vous, ça peut arriver à une autre personne. Quoi. Donc, euh, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on en fasse. Quoi. Donc, sachez mes instincts intimes qu'en fait. Euh euh, les gens, ils, oui, ils s'ennuient. Il y a beaucoup de personnes qui s'ennuient qu'une vie qui n'est pas très intéressante. Et parce que vous êtes, vous êtes pétillante, vous êtes une personne pleine de vie malgré votre condition de célibat. Mais vous êtes et en plus vous êtes une personne qui a du cœur. Donc euh, généralement vous êtes vraiment la meilleure proie pour, pour tout le monde en fait. Tout le monde, tout le monde va vous exploiter du début jusqu'à la fin. Il y a des personnes qui m'ont dit une fois, oh, tu sais, moi, ma mère m'a toujours dit qu'il faut avoir des amis, au moins quelques-uns, sinon à un moment donné, on s'ennuie. En fait, je n'avais pas vite capté au départ quand cette personne me parlait de ça, mais après, j'ai compris en fait qu'elle était juste avec moi par ennui. Alors, un beau jour, j'ai pris mes distances, parce que je ne suis pas là pour être avec des personnes qui sont, qui sont juste là par ennui. Moi, je suis là avec des personnes qui ont. Toujours quelque chose à nous apporter, qui se réjouisse de notre bonheur, qui se réjouisse de nos réussites, dont je me réjouis aussi du bonheur, dont je me réjouis aussi de la réussite, dont je veux le succès et vice versa. Et quand elles ont de la peine, j'ai de la peine et quand j'ai de la peine, elles ont de la peine. C'est ça l'amitié. Si vous n'êtes pas capable d'apporter cela, passez votre chemin et laissez la place aux autres. C'est tout ce qu'on peut dire. Et si vous vous rendez compte que vous êtes à une personne qui est avec vous juste par ennui. Mais ne vous fatiguez pas. Ce n'est pas la fin du monde. Vous allez encore en avoir des amis. La vie en produit. On rencontre toujours des gens. On rencontre toujours des humains. Ne permettez vraiment pas le manque de respect. En fait, dans tout ce que j'ai dit, et pour finir, c'est simplement qu'il faut pas permettre le manque de respect. Si vous permettez le manque de respect, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui vont vous offenser ou vous influencer et complètement vous perturber parce que c'est des personnes qui vont vous faire perdre du temps. Vous allez vous déplacer, aller chez eux peut-être tout le temps. C'est de l'essence ou de, du temps perdu. Vous allez ou bien les accueillir tout le temps chez vous. Vous allez cuisiner, dépenser de l'argent et perdre du temps. Vous allez aussi offrir beaucoup de cadeaux, perdre de l'argent, perdre d'argent, perdre, perdre de temps. Vous allez aussi gaspiller en salive, en réflexion inutile pour elle ou il, perdre de temps, perdre d'énergie. Alors que tout ce temps-là, vous pouvez le rentabiliser pour vous construire, vous redécouvrir, vous rechercher, vous reconstruire et générer aussi, pourquoi pas de l'argent. Donc, vous avez beaucoup trop d'intérêt. Il faut éviter ça. Pour revenir au cadeau, évitez de donner trop, trop, trop de cadeaux. Moi, un jour, il y a un qui me l'a dit, Clairenette, arrête de donner cadeaux, fixe un budget et tiens-toi à ton budget. Et c'est comme ça que j'ai commencé par me rééduquer. Je me suis rendu compte que je gaspillais beaucoup en essence. Je gaspillais beaucoup euh, dans ces cadeaux-là. Mais je le faisais de bon cœur. Mais qui vous dit qu'une personne qui s'ennuie reçoit vos cadeaux de bon cœur Vous leur offrez, réfléchissez, parce que ce n'est pas tout le monde qui reçoit les cadeaux de la meilleure manière. Donc, euh, mettez plus d'énergie dans les actions, dans les rapports réguliers. Et mettez aussi de l'énergie à rester un peu en retrait. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et comme quoi, on est arrivé à la fin de l'émission. Je tiens à remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont restés depuis le début de l'émission jusqu'à maintenant. Et tout le monde va se rendre compte que les émissions maintenant ne durent que 25 minutes. Et c'est pour la bonne cause, c'est pour faciliter l'écoute, pour rassembler le maximum quelques temps parce que... Elle, vous êtes peut-être à la cuisine, vous êtes en train de conduire, vous êtes, il y a d'autres podcasts qui vont encore arriver et ça permet à tout le monde d'assimiler rapidement l'information de manière concise, de manière concise et c'est sûr qu'on aura d'autres vrais débats en plus, mais je pense que 25 minutes c'est assez. Si vous, vous avez d'autres propositions, vous pouvez toujours m'en parler. Nous écris sur Femmes FCR sur Instagram. Et ou sur Facebook Femmes Célibataires Réussite. Sinon, il y a le site internet www club. On n'est pas un club, c'est pas un site de rencontre. Mais quand même, des fois, les mardis, je diffuse quelques offres pour les, les, les hommes ou les femmes qui recherchent des partenaires. Et on le fait avec beaucoup de plaisir. Si vous avez besoin d'une écoute, d'une oreille attentive, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Et on offre cela pendant 30 minutes et avec beaucoup de plaisir. Vous pouvez prendre rendez-vous quand vous voulez. Je vous remercie. Donc, mon nom est Nuyumba. C'était moi. Euh, merci à tout le monde merci aux nouveaux abonnés aussi je vous salue je vous souhaite vraiment du bonheur apprivoisez votre solitude ou si vous êtes en couple améliorez vos journées euh, euh, vos journées amoureuses et puis la vie n'est qu'un combat et on doit quand même suivre jusqu'au bout donc je vous salue je vous remercie pour votre attention et à bientôt bye-bye